Bonsoir, frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Nous sommes bel et bien direct sur TV Radio de Ville, il est 20h33, heure locale, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV Radio de Ville. Que Dieu soit béni pour la présence de chacun. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, ta bonté, ton amour. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci pour toutes les belles choses que tu nous donnes à vivre, Seigneur Yeshua. Nous bénissons ton nom pour la croix qui, Seigneur, grâce à cette belle œuvre de la croix, nous avons été libérés. Seigneur de l'ennemi, et nous sommes encore, Seigneur, protégés jusqu'à ce jour et jusque dans l'éternité. Que ton nom soit béni pour ton peuple, Seigneur, ce soir. Nous bénissons ton nom pour, Seigneur, tout ce que tu vas nous donner à vivre, tout ce que tu nous donnes. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père de gloire. Amen. Bonsoir tout le monde. Aurélie, qu'as-tu à dire ce soir? Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Ben, tout va bien par la grâce de Dieu déjà, c'est une bonne Amen, chose, amen. malgré les combats, malgré les... Ça te fait peur tout ça? Moi, non, Ok, gloire à Dieu. absolument pas. Gloire à Dieu. Au contraire, ça excite chez moi quelque chose que je ne connaissais pas avant, le goût pour la guerre. Je ne le Amen. connaissais pas et Waouh. ça me plaît, j'aime Gloire à Dieu. bien. Gloire à Dieu. Parce que ça bouge, il y a du mouvement, Dieu agit et de toute façon, je sais que Dieu est du côté de sa parole, donc je ne m'en fais pas en fait. C'est ça Amen. qui fait que je n'ai pas peur. Amen. Amen. Donc voilà. Et donc, bah, enfin, que Dieu soit béni vraiment pour tout ce qu'il permet. Et voilà. Donc, tu avais une annonce à faire aussi, si je me trompe Oui, pas. effectivement. Alors, il a été annoncé qu'il y aurait une veillée de répétition par rapport au 19 décembre. Et en fait, suite à une réorganisation par rapport à l'organisation qu'on s'était fixée à la base pour l'événement du 19 décembre, actuellement, il en est que la répétition initiale qui avait été programmée sera annulée, donc elle n'aura pas lieu. Je le dis pour les personnes qui motivées, et gloire à Dieu si plusieurs d'entre vous étaient motivés pour être présents, mais si jamais vous aviez pris exprès votre billet pour cette veillée, parce que vous veniez de loin ou quoi, c'est juste pour vous prévenir, pour que vous puissiez vous organiser en conséquence. Puis après, de toute façon, même si vous avez pris votre billet, ce n'est pas grave en soi, parce qu'on a quand même un programme pendant la journée, donc la dernière réunion de réveil du 6. Cette veillée était prévue quand? Le 6 décembre, C'était le pour le soir. 6, ok. Donc ça suivait, enfin, ça aurait été à la suite, je dirais, du programme de réveil, la dernière réunion de réveil à Évry. D'accord. Et donc voilà, donc finalement, ça n'est quand même pas un billet perdu. Vous pourrez quand même assister, enfin être dans la présence du Seigneur avec des frères et sœurs et pouvoir profiter de ces moments-là ensemble. Donc n'hésitez pas quand même à venir, quoi. Et donc, si j'ai bien compris, si ces personnes ont pris leur billet pour venir Initialement à la veillée qui finalement est annulée. vendredi 5, donc ce Oui. vendredi, et si ces personnes arrivent le vendredi, ce vendredi justement, comment donc dans ce cas-là, qu'elles t'appellent, c'est mieux. Oui, par exemple. Ok, d'accord. Ou vous pouvez, elles peuvent, enfin, si c'est possible, elles peuvent aussi appeler sur le numéro de TV de vie Ou envoyer un mail, ouais. et vous D'accord. envoyer un mail. Et comme ça, tous les contacts qui seront répertoriés par rapport à ça, si vous avez besoin de plus d'informations, je n'hésiterai pas à vous les donner, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais en fait, la veillée était programmée le 6 décembre, en fait, après la réunion de Ok, réveil. d'accord. Donc samedi 6, Voilà, c'était le ok. samedi. D'accord. Donc bah, ces personnes, si elles viennent, donc elles vont pouvoir participer au programme de réveil. Oui, tout à fait. Voilà, qui sera le dernier programme. D'ailleurs, on ne sait même pas comment on va s'organiser ce Oui, parce samedi. qu'il risque d'y avoir beaucoup de Beaucoup monde. de monde, parce que tout le monde veut venir, alors on ne sait pas comment on va faire. Donc, il y avait autre chose, non? Non, a priori, non. Gloire à Dieu. Donc, de toute façon, tu es avec nous pour le programme Oui, aussi ce tout à soir, que le fait. Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Et donc, voilà, frères et sœurs, l'annonce a été bien faite. Et donc, le programme du 19 aura bel et bien lieu, donc il n'y a pas de souci. Et les Bibles nous seront livrées avant le 9, si je ne me trompe, avant le 14. Voilà. Donc, voilà, on va vous présenter toutes ces Bibles hein, donc, qui nous seront livrées sous peu. Et voilà, tout est réglé, tout est clean, tout est OK. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit au nom de Yeshua. Voilà, donc que Dieu soit béni et que Dieu soit béni. En tout cas, voilà, donc il y a d'autres personnes qui sont avec nous, qui ont aussi des messages à passer, des annonces, des révélations, des visions, tout ça. Bonsoir. Bonsoir.
Donc, si tu peux t'approcher du micro là, c'est bon. Et est-ce que tu peux regarder les frères et sœurs qui sont là juste devant cette caméra et nous dire un peu qu'as-tu à nous partager? Donc, en fait, c'était pas ce dimanche-là, c'était le dimanche d'avant. D'accord. Donc, j'étais dans mon salon et j'avais une vision. Pendant que tu dormais, pendant que non, tu... Non, j'étais assoupie, en fait. D'accord. Oui. Et dans la vision, il y avait trois femmes. Et l'une d'elles, en fait, avait un drapeau, il y avait écrit 75%. Elles étaient tristes dans la vision. Mmh. Et en fait, elles étaient tristes parce qu'il n'y avait personne, en fait, pour leur apporter, en fait, l'évangile véritable. D'accord. Et dans la vision, tu étais à côté. Et quand elles t'ont vu, en fait, elles étaient heureuses. Et dans la vision, en fait, le fait qu'elle t'ait vu, en fait, tu étais en fait censé aller en mission en Irlande. D'accord. Pour apporter l'évangile. D'accord. Et donc après, c'était dimanche. Et après, le lundi, donc il y a une semaine, j'avais eu un rêve, en fait. J'étais dans ma chambre en train de donner un enseignement sur le catholicisme. D'accord. Et après, un moment dans le rêve, j'allais te raconter la vision que j'avais eue. Et en fait, c'est quand je t'ai raconté la vision, c'était comme une confirmation, en fait. D'accord. Tu attendais, en fait, le feu vert pour aller là-bas. En Irlande. Oui. Eh ben, figure-toi qu'il y a aussi, on a une autre sœur qui vient d'Irlande. Je pense que ça doit t'encourager, ces deux visions-là. Alléluia. Donc, les frères et sœurs d'Irlande, hein, je pense que voilà, vous avez certainement dû prier pour qu'il y ait un programme de réveil. Tout le temps. Tout le temps. Depuis 2009. Depuis 2009. Waouh. Eh ben, en janvier, nous serons en Irlande pour un programme de réveil. Voilà, que Dieu soit béni. Donc on va, et tout à l'heure, on va finaliser tout ça. Et donc les frères et sœurs qui nous suivent depuis l'Irlande, nous vous annonçons officiellement qu'en janvier, si Dieu le permet, je serai en Irlande pour un programme de réveil avec, bien sûr, TV de vie. Donc vous pouvez nous appeler depuis l'Irlande, hein, si jamais vous êtes connecté ce soir, pour témoigner, hein, pour nous dire un peu... ce que vous en pensez. Donc vous pouvez nous appeler au 00331 64 98 90 45, 00331 64 98 90 45. Vous pouvez nous appeler à ce numéro pour nous donner vos témoignages. En tout cas, nous avons hâte d'aller à Dublin pour annoncer l'évangile. Je n'ai jamais été dans ce pays. Je crois que Dieu va vraiment nous assister. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir. Donc, je crois aussi que tu as un message à passer. Hein? Bonsoir. Oui, moi, je m'appelle Mourad, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mm-hmm. Donc, un message, en fait, que Dieu, c'était une voix de Dieu qui m'a parlé. D'accord. Donc, c'était un dimanche, je me rappelle, j'étais dans la joie, en train de chanter chez moi, dans la joie du Seigneur. Amen. Et j'entendais une voix, en fait, c'est par rapport à Abraham. Il me dit, en fait, dans l'islam, un homme, il peut se marier avec quatre femmes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais musulman, donc je suis converti en Christ, Jésus-Christ. Amen. Donc... en fait, dans l'islam, l'homme, il peut se marier avec quatre femmes. Alors, ce message-là, il me l'a donné justement par rapport à ça. Il me dit, si un homme, il a le droit de se marier avec quatre femmes, pourquoi la descendance, en fait, d'Abraham, Dieu, il a puni par rapport à ça. Mm-hmm. Quand on nous enseigne dans la Bible, si je me trompe, vous pouvez me reprendre. Mm-hmm. Dans la Bible, ça veut dire quand on nous enseigne qu'Abraham, il a manqué de foi envers Dieu. Mm-hmm. Donc, Dieu, il l'a puni par rapport à ça. Mm-hmm. Mais moi, c'était un autre message. Il m'a dit, si il a un homme, il a droit à quatre femmes. C'est comme si Abraham, il a sa femme, donc il a pris l'esclave, la servante. Mm-hmm. Donc, ça veut dire s'il a droit à quatre femmes, donc il a droit encore à deux autres femmes. Mm-hmm. Alors qu'il a pris juste l'esclave. Mm-hmm. Par rapport à ça, il a été puni par rapport à ça. Mm-hmm. Alors que dans l'islam, il a le droit à quatre femmes. Ça veut dire, si l'homme il a le droit à ça, donc Dieu, pourquoi il va le punir par rapport à ça? Mm-hmm. C'est comme s'il a maudit la descendance. C'est pour cela qu'il n'y a jamais la paix entre les musulmans et les juifs. Mm-hmm. En fait, c'est la descendance d'Isaac et d'Ismaël. Ah ouais, ça veut dire, si l'homme il a le droit à quatre femmes, au contraire, il va les punir. C'est ça. Mais c'était par rapport à ça, justement, c'était le message que Dieu m'a donné. J'ai trouvé que c'était puissant. C'était un message qu'il a donné. Qu'on quoi? Un homme, il est fait pour... une femme, une seule femme, si c'était deux ou quatre, donc il n'y aurait pas cette malédiction entre ces deux descendances. D'accord. En fait, c'était son message-là qu'il m'a dit,
Et juste après... Grâce à vraiment le Seigneur, hein, je pense que ça va éclairer beaucoup. Oui, franchement, c'est exceptionnel. D'ailleurs, même, il m'a montré, après 3 jours, c'était un oncle qui a décédé, ça fait quelques mois, cette année-là. Donc, il me l'a montré dans un songe, comme quoi il était en train de prier. Après, c'est comme si je suis arrivé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Il m'a dit, oh, c'est lui qui m'a eu. Maintenant, c'est trop tard. C'est comme s'il était en train de prier. Après, je lui ai dit, pourquoi tu pries dans la prière musulmane? Il m'a dit, c'est comme s'il était derrière lui. Il m'a dit, mais c'est lui qui m'a eu. Et maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Wow. Donc, ça, c'est un cousin. Il a fait même la Mecque, tout ça, le Hajj. Pour ceux qui comprennent, le Hajj, c'est la Mecque. Mm-hmm. Donc, ça veut dire, dans l'islam, c'est lui qui a fait la Mecque. Ça veut dire, ça y est, il est arrivé au sommet, comment dirais-je. Donc, il est dans la voie de Dieu. Il est, voilà, il est pardonné pour tous ses péchés d'avant. Donc, il vit dans la sanctification. Mais moi, ce qui m'a montré, ce n'était pas le cas. Et après, c'est comme si c'était une salle, il y avait plusieurs rangées. Après, c'est comme si je parlais, c'est comme si j'étais en train de prier, c'était une femme. C'est comme si je voyais une main qui était grande. Et la tête de la personne, elle était petite. C'est comme si j'étais en train de prier. Et c'est comme si c'est le démon qui sort. Après, je disais aux autres, regardez, c'est pas moi. Moi, je suis pour rien. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La preuve, moi, je suis comme vous. Donc, regardez comment le démon, il sort. C'est une façon de dire qu'en quoi c'est Jésus, c'est pas l'être humain même pour vous, d'autres. Ça veut dire quand vous priez, c'est pas l'être humain, c'est Dieu qui agit après, c'est normal. Pour que Dieu, il agit à travers la personne, il faut que la personne soit sanctifiée. Donc, c'était ça. Moi, j'ai remarqué, souvent, il me donne les messages par rapport à l'islam, par rapport peut-être... à mes origines, parce que la femme est musulmane et le pays c'est musulman. Si tu veux partager tout ça bien comme il faut, tu peux faire une émission, hein. Ça t'intéresse pas de... Pourquoi pas, si c'est pour glorifier Dieu, pas de problème. On peut annoncer, jeudi on peut s'organiser, jeudi soir, ça t'intéresse, tu vois, comme ça tu viens et on te laisse le plateau et tu partages, hein. Tu peux partager à la fois en français et aussi en arabe, ouais. Pour les frères et sœurs du Maghreb ou des nations arabes qui ne parlent pas le français. Je pense que ça va beaucoup les aider. D'accord. C'est bon? D'accord. Amen. Ah ben, parfait. Donc jeudi, frères et sœurs, 20h30, notre frère Mourad va revenir pour partager toutes ces visions, révélations que Dieu lui a données. C'est quand même assez fort. Et je peux vous assurer qu'il vient de loin. Mmh. Et il s'est converti au Seigneur véritablement. C'est une conversion authentique. Et je crois que beaucoup de frères et sœurs du Maghreb, et vous qui nous suivez depuis la Tunisie aussi, vous serez beaucoup fortifiés. On ne vous a pas oublié, hein, ma sœur Bouteïna, tout ça, et Dani, vous qui êtes du côté du Maghreb, on ne vous a pas oublié. Et je vais vous contacter bientôt parce que nous sortons d'une période de retrait. Et où il fallait travailler notamment la révision de la Bible, qui nous a pris beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Mais on va vous tenir au courant. Bientôt, on va vous rappeler. Que Dieu soit béni, en tout cas. Donc, nous avons un coup de fil d'Irlande, si je ne me trompe. Voilà. Allô, bonsoir. Allô. Hi. Je crois que nous avons un problème avec le standard, hein, depuis quelques jours, là, le standard ne répond plus. Voilà. Allô. 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 Je crois que les frères et sœurs d'Irlande sont encouragés, fortifiés. Et ouais. C'est la fête. C'est quoi, c'est 2 heures de vol, 2 heures d'avion? C'est 1h30. 1h30. D'accord, parce qu'il n'y a pas un bateau qui part là-bas, là, de Paris en Irlande. On peut y aller en bateau? Oui. Ouais. Vous allez passer par Londres. Après, le bus. Ah bon? C'est combien d'heures de route? C'est long. Ah, ok. En voiture? En voiture, c'est quoi? Vous allez prendre le bateau et puis... Ah ouais? Donc on va voir ça parce que l'avion, là, j'aime de moins en moins l'avion. Et c'est vite fait. Oui. C'est vraiment vite fait. 1h30, ouais. Faudrait voir avec le Seigneur. Bon.
Voilà, on va voir ça, on va négocier. Mais en tout cas, on y sera. C'est long en bateau. Plus de 12 heures. Waouh, c'est long. On y sera en tout cas, frères et sœurs, en janvier. On y sera. Donc, le standard ne marche toujours pas. Non, un petit souci. Ah, c'est dommage, dommage, dommage. On va voir tout à l'heure, effectivement. Donc, je ne sais pas si on peut, l'équipe technique peut nous balancer les images de la réunion de réveil à Bruxelles. Hier, nous avons été agréablement surpris. Nous sommes de plus en plus surpris, mes amis. Et nous nous apercevons que Dieu est Dieu. Que Dieu est Dieu, frères et sœurs, et que personne ne peut arrêter l'œuvre que Dieu fait, mes amis. On peut être traité de, bien que l'on soit traité de tous les noms, voleur, menteur, impudique, mais Dieu est Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, accomplit ses promesses et justifie ses enfants, justifie la parole qu'il a mise en nous, cette parole de vérité, au nom de Yeshua. Donc Yeshua, notre maître, est passé par là, donc nous passons par là. Et nous voyons tout ce que Dieu fait, toutes ces guérisons, ces conversions, ces repentances, frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Il n'y a que la vérité qui peut affranchir des personnes, autant de personnes, et que toute la gloire soit rendue au Seigneur Yeshua, notre maître, notre sauveur. Et je vous assure, Satan nous rend un service en nous agressant, parce que plus il nous agresse, les enfants de Dieu bien sûr, plus notre Père se lève. Mes amis, et Paul disait, je me plais dans les outrages, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les afflictions, tout ça, et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu soit béni. Et donc, l'élément de Bruxelles. L'avocat, il appelle. L'avocat dit, non, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ce dossier m'appartient. Je dis qu'elle attend la régularisation. Là où elle est là, on ne prend pas son problème en considération. J'ai dit, Seigneur, il me faut à tout prix l'avocat. Si je n'ai pas d'avocat, je me retrouve dehors. Le Seigneur me fait grâce. On rencontre fait des t-shirts dessus, il y a écrit la BJC, la Bible de Jésus-Christ. Mes amis, c'est très encourageant. Vraiment, c'est beau. C'était voilà, il n'y a rien à dire, quoi. C'est l'œuvre du Seigneur avance. Les âmes sont délivrées. Les frères et sœurs sont guéris. Et des frères et sœurs se tournent vers le Maître. Des conversions sont, mes amis, authentifiées. Et non, il n'y a pas de mots. Dieu est vraiment, vraiment à l'œuvre. Dieu est Dieu. Il y avait du monde jusqu'à dans le couloir. Et là, nous étions sur la fin, hein, sur la fin de la réunion. Mais les gens ne voulaient pas sortir. Les gens ne voulaient pas bouger. Et tellement qu'ils ont soif. Et voilà, on était sur la fin. Il y en a pas beaucoup qui étaient déjà partis. C'est à Genève, à Bruxelles, comment ? C'était, ouais, non, c'est pas un gymnase, c'est une salle, voilà. Voilà, non, il n'y a pas de basketteur là-dedans. Voilà, donc, vraiment, c'est magnifique, c'est glorieux. Donc là, c'était sur la fin, c'est une sœur qui était en train de confesser ses péchés, comment pendant des années, elle a utilisé des faux papiers. Voilà, donc le feu... prend partout, 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 ça prend. Et ce jeune homme belge est venu me voir à la fin pour me dire, qu'est-ce que Dieu attend de moi, hein? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et non, c'est beau, c'est très encourageant. Et, donc il y avait des gens partout, 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 partout. Et voilà, en tout cas, on a été beaucoup, beaucoup encouragés par le Seigneur. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a les baptêmes. Les images il y a eu plusieurs baptêmes. Et donc on a fait des baptêmes sur place. Et même après les baptêmes à la fin de la réunion, il y en a qui sont venus aussi pour demander de nouveau le baptême. Hein, donc pour demander encore le baptême, des nouveaux, des gens qui débarquaient de partout. Et voilà, donc je ne sais pas si on a les images du baptême. Des baptêmes, parfait, nickel. Dieu est bon. Voilà, mes amis, Dieu fait son œuvre pendant que les chiens aboient. Et les gens se font baptiser, l'évangile est annoncé, donc que Dieu soit béni. Voilà, Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est glorieux.
Voilà les baptêmes, frères et sœurs, à Bruxelles. Voilà, donc je crois que on va pouvoir, David, on va voir, pouvoir acheter cette piscine-là hein, pour le 20, pour le 19, parce que je crois qu'on va être... donc on va voir, parce que honnêtement, on ne peut pas priver les frères et sœurs des baptêmes. Hein. Voilà, donc voilà, tous ces baptisés, là, mes amis, là, oh Dieu est magnifique. Partout, l'évangile est annoncé et les gens spontanément viennent et okay. ils réclament le baptême. On veut le baptême, on veut le baptême. Voilà. Et ils se font baptiser, c'est beau. C'est... Alors, voilà, Dieu travaille, Dieu bâtit son œuvre, bâtit son ecclésia. Et regardez-moi tout ce monde-là, mon frère Jeff de Mons. Merci encore pour votre soutien, Jeff. Et voilà. Les 500 euros que vous avez donnés pour la Bible ont été remis en main propre hein, à David. Donc voilà, donc que Dieu soit béni. Merci Seigneur, hein, l'œuvre se fait. Voilà les baptêmes, frères et sœurs. Quand je vois ça, mon cœur est... On peut laisser encore, merci. Merci, c'est beau, c'est magnifique, vraiment là, c'est glorieux. Alléluia, gloire à Dieu, quelle belle œuvre, mes amis, de voir des jeunes comme ça. Qui quitte la délinquance, qui quitte le monde, qui abandonne le péché et qui se tourne vers le Machia. Mes amis, alléluia, gloire à Dieu. Regardez-moi l'œuvre que le Seigneur accomplit. Voilà. Et plusieurs baptêmes. Hein. Donc vraiment, c'est beau. C'est encourageant, magnifique. Comment on dit en anglais ? Wonderful, alléluia. Magnifique. Gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment. Voilà. Des gens viennent aux réunions de réveil partout où Dieu nous envoie. Et ils sont déjà préparés pour le baptême. C'est vraiment, en tout cas, chapeau hein, aux frères et sœurs de Bruxelles. Merci pour votre sensibilité parce que vous êtes partis prendre cette piscine. Parce que vous êtes dit, avec tout ce qui se passe ici et là, donc nous... croyons qu'il y aura des baptêmes et on doit improviser et ça c'est magnifique et c'est un message qui est lancé en même temps à tous les frères et sœurs qui veulent qu'il y ait des programmes de réveil hein. Donc vous savez que on va tourner que chaque personne qui veut nous inviter pour le programme de réveil puisse aussi se préparer, avoir une petite piscine comme ça, alléluia, gloire à Dieu, pour pouvoir procéder au baptême au nom de Yeshua, gloire à Dieu. Voilà ce jeune homme qui a certainement 11-12 ans, qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui passe par les eaux du baptême à Bruxelles. C'est nouveau ces choses-là. Là. On ne le vivait pas avant, Aurélie, tu te rends compte. Et partout comme ça, là, Marseille, il y a eu des baptêmes. Et partout, il y a des baptêmes. Et à Nantes, tu as baptisé aussi, hein, donc à Nantes, une jeune fille métisse. Alléluia. Elle pleurait, elle voulait le baptême. Elle louait Dieu dans la salle de bain et tout. Wow. Et c'est sa maman qui l'a baptisée. Wow. Chrétienne qui. Sa propre maman qui est chrétienne qui l'a baptisée. Oui. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je lui ai demandé si elle voulait le faire. Elle m'a dit, est-ce que je peux ? J'ai dit, Est-ce que je peux ? Mais les disciples de Jésus-Christ, bien sûr, elle peut le faire, bien sûr. Et elle était très heureuse. Gloire à Dieu. Dans Jean 4, on nous dit que c'était tous les disciples de Jésus-Christ qui baptisaient. On n'a pas dit des apôtres seulement, mais tous les disciples. Amen. Et parmi les disciples, il y avait. Des femmes, voilà, mes amis, au nom de Yeshua. Alors, on va repartir à Nantes pour un programme de réveil aussi en janvier. Oui, tout à fait. Si Dieu le permet. Et les frères et sœurs de Nantes, vous avez vu, hein, donc préparez-vous, hein, préparez des piscines pour pouvoir procéder au baptême. C'est important. Les gens qui viennent pour le baptême, on ne doit pas les renvoyer pour dire on va vous baptiser après. Non, c'est le jour même qu'on doit baptiser les gens, frères et sœurs. On doit sortir de la religion, on doit sortir du système des hommes pour pouvoir procéder, mes amis, à l'évangélisation. Voilà, donc le standard marche, c'est bon? On peut essayer parce que la lumière est allumée? Non, il n'y a pas de téléphone, ok. Donc, magnifique. Voilà, que Dieu soit béni. Que pensez-vous de tous ces baptêmes? Ah, hein. Dieu travaille. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, Dieu agit quand tu regardes des émissions de réveil, des programmes. Depuis Dublin, hein, c'est à Dublin que tu es. D'accord.
D'accord, donc c'est en banlieue de Dublin. Que Dieu soit béni. Et qu'est-ce que tu as à dire justement? Est-ce que tu as quelque chose à dire d'autre? Oui, je veux juste témoigner. D'accord, effectivement, j'allais oublier ce témoignage. Alléluia. Pour ma petite fille que j'avais amenée. Est-ce qu'on entend bien ça, sa voix? Parce que son témoignage est très très fort, frères et sœurs. Ouvrez bien, ouvrez grandement vos oreilles. Ma petite fille en 2012, elle est tombée malade. D'accord. Et ça a commencé juste comme ça. Un matin, elle tremblait pas, mais ce sont ses habits qui bougeaient. Quand je faisais porter des habits, ça bougeait comme ça. D'accord. Je disais, mais pourquoi si je fais porter des habits, les habits tremblent et puis les cheveux bougent? D'accord. J'ai un peu regardé toute la journée. C'était comme ça toute la journée. D'accord. Mon mari a dit non, peut-être parce qu'elle a mangé la glace comme c'était l'été. D'accord. Peut-être c'est pourquoi ses habits tremblent. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas ses mains ou... quoi, le corps qui tremble, mais c'est mal les habits. D'accord. Je ne comprenais pas. Et puis j'ai dit, ok, peut-être c'est moi. Peut-être c'est rien. Et puis le lendemain, c'était encore pareil. Ça tremblait, les habits tremblaient. Et puis elle a beaucoup dormi. Elle dormait jusqu'à 11h, 12h, elle ne se réveillait pas. Je m'inquiétais. Je sentais comme s'il y avait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'avant ça, j'avais fait un rêve juste avant, que quelqu'un l'avait piqué. D'accord. Dans un rêve, on l'a piqué. J'ai suivi la personne qui a piqué, ma fille. Mm-hmm. Il était habillé en robe de médecin. D'accord. Et puis ma fille était vraiment pas bien en rêve. Et j'ai suivi la personne là où il était parti. Je lui ai dit, ma fille, elle ne mourra pas. J'ai dit ça. J'ai dit même à mon mari qui a vu dans le rêve, il avait un peu peur. J'ai dit que ma fille, elle ne mourra pas. Il ne faut pas avoir peur. Mm-hmm. Et le matin, j'ai dit à mon mari, j'ai fait un rêve, mais c'est bizarre parce que toute la journée, cette rêve-là revient. Mm-hmm. Si on peut prier pour ça, on a prié pour ça. Et puis on a... briser toute condamnation et tout. Mm-hmm. Et c'était passé, mais après 2 jours, j'ai commencé à voir ses habits tremblés. J'ai dit non, je sentais qu'il y avait quelque chose par rapport au rêve. J'ai dit non, mm-hmm. Il y a quelque chose. Et mon mari dit non, il n'y a rien, elle est bien. J'ai dit non. Pourquoi ses habits tremblent? Pourquoi c'est pas elle, mais ce sont les habits? Qu'importe, ça faisait comme ça. Mm-hmm. Ça tremblait comme ça. Puis les cheveux aussi, ça bougeait. Mm-hmm. C'était bizarre. Et puis quand je regardais, je voyais comme si elle marchait plus bien. Elle allait un peu gauche, droite. Elle titubait, elle chancelait. Oui, okay. Elle marchait un peu comme ça. Je dis non, c'est pas normal. D'accord. Et je l'ai amenée chez le médecin. Généraliste, il dit, oh non, elle va bien. Elle a 20 mois, souvent des enfants à 20 mois. Elle marchait très bien. Le médecin dit, peut-être. L'enfant avait 20 mois. Elle avait 20 mois. Mm-hmm. C'était juin 2012. D'accord. Le médecin m'a dit, elle va bien, tout va bien. J'ai dit, mais elle ne marche pas bien parce que pourquoi elle va gauche, droite, elle marche pas. Dis non, des enfants, des fois, c'est comme ça. Elle fait ses caprices. Elle est normale, elle est bien. Tu peux rentrer à la maison. C'était, je ne sais plus, c'était lundi ou quelque chose comme ça. Le médecin m'a dit, tu peux la ramener là, elle va bien. Mm-hmm. Mais si tu t'inquiètes, tu peux la ramener le vendredi. J'ai dit, mm-hmm. Le vendredi. Mais il me disait, non, rassure-toi, elle va bien, tout va bien, elle n'est pas malade et tout. J'ai dit, mais pourquoi les habits tremblent comme ça? Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai 5 enfants, mm-hmm. Et elle, c'est la dernière. Je n'ai jamais vu ça. Il dit, non, tu t'inquiètes pour rien, elle va bien. Et j'ai dit, ok, peut-être c'est moi, pour changer un peu des idées. Je l'amène, j'ai dit, on va faire un tour en ville. On est parti faire un tour et puis elle était assise sur la poussette. Quand on a fini, je l'ai mis sur le siège auto, mm-hmm. dans la voiture. Mais quand on est arrivé à la maison et mon mari a fait descendre ma fille, elle était sur le siège auto, il a pris seulement le siège auto, il l'a mis à la maison. Mm-hmm. Et moi, je prenais les sacs que j'avais fait un peu de course. Et ses frères criaient, mais Joss, elle ne marche pas bien, maman, Joss ne va pas bien. Mais quand je suis venue, elle était comme si elle avait bu de la bière, comme si elle était ivre. Mais je disais, mais c'est quoi ça? On a commencé à prier, on a pris ma fille, on a prié, elle marchait, elle allait comme ça, vraiment comme ça. Wow. J'ai eu peur, on a commencé à prier, on a chassé l'esprit de mort et tout. Et on l'a ramené vite à l'urgence, à l'hôpital, après la prière. Et quand on est arrivé là-bas, les médecins ont regardé. Peut-être ils croyaient qu'elle avait un problème de... comme si elle perdait la tête, quoi. Mm-hmm. Ils nous ont dit que non, elle va rester. C'est parce que mon mari a demandé, est-ce que... Ils ont dit, mais tu rêves ou quoi? Elle ne peut pas rentrer à la maison. Mm-hmm. Dès demain matin, on va commencer les examens. Mm-hmm. Et puis, on est arrivé là-bas. Et le lendemain matin, elle sautait comme ça. Elle était comme ça. Wow. Elle ne pouvait même plus rester debout parce qu'elle était vraiment... C'était impossible. Je n'ai jamais vu ça. Mais on s'est dit, c'était quoi? On a fait des examens. Elle a passé plusieurs examens sous anesthésie générale.
il n'y avait rien. On nous a envoyé vers le médecin, médecine nucléaire, on met radioactif. Ils ont fait des examens, j'ai amené là-bas. C'était le jour où j'avais appelé l'apôtre Chora parce que là, j'étais pas bien. Parce que chaque jour, elle marchait comme si elle était ivre, mais après, elle ne marchait même plus. Mais elle tremblait, elle était comme ça. Wow. Toute la journée, elle était comme ça. Moi, je disais, mais c'est quoi? Mais ils ont fait plusieurs examens, il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait rien, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, OK, on l'a amené encore pour faire des examens. Ils ont mis des piqûres, des courants, il y a de l'électricité pour voir s'il y a un air qui a pété ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait rien. Le médecin dit, non, elle est bien, elle réagit bien. Mais tellement comme on faisait des examens, elle n'avait que 20 mois. Et il y avait des examens sous anesthésie. C'était presque tous les jours qu'on faisait des examens comme ça. On me disait, OK, à la fin de la semaine, on la laisse un peu se reposer parce que c'est trop pour elle. Elle peut aussi perdre la tête parce que c'était trop. Et les médecins me demandaient, est-ce qu'elle fait sortir, elle fait des boules ou bien elle fait des gestes un peu bizarres. J'ai dit, non, non, je ne remarque pas, mais juste comme ça. Mais ça a étonné les médecins, ils n'ont jamais vu ça. Ils disaient, mais c'est quoi ça? Et tout l'hôpital a été vraiment paniqué. Parce que tous les médecins étaient là, voulaient savoir qu'est-ce qui se passe. Moi aussi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprenais rien. Chaque jour, elle descendait. Chaque jour, vraiment, elle a commencé à descendre. Sa situation se dégradait, quoi. Son état se dégradait. Parce qu'elle avait complètement arrêté de marcher. D'accord. Elle mangeait presque plus rien. D'accord. Elle ne se tenait plus debout. Wow. Elle était toute la journée comme ça. Elle bougeait comme ça toute la journée. Même si elle dort, elle bouge. Et c'était impossible. Ils ont fait des examens, ils n'ont rien trouvé. Et puis, un jour comme ça, elle faisait un peu des gestes comme si elle a perdu la tête. Elle faisait des trucs comme ça. Je disais, c'est quoi? Et puis j'appelais l'apôtre. Avant même que j'appelle l'apôtre, mon mari avait remarqué que non, elle était devenue comme si envoûtée, comme si elle était devenue bizarre. Elle regardait même son frère bizarrement. Son grand frère regardait bizarrement. Il voulait même lui faire du mal, mais elle n'avait que 20 mois. Et mon mari a pleuré. Il a beaucoup pleuré pour ça. Quand il est rentré à la maison, il a pleuré toute la nuit. Il m'a appelé, il a dit non, moi, ça ne va pas. Mais moi, j'étais un peu forte, je ne pleurais pas, j'avais l'espoir. Parce que c'est la seule fille que j'ai. J'ai quatre garçons. Wow. J'ai des grands garçons. C'est la fille à papa, quoi. Oui, c'était la dernière fille que j'ai recherchée, en fait. Et moi, j'avais l'espoir, mon Dieu. Parce qu'à chaque fois que j'étais abattue, comme si une voix me disait, prends la Bible. Quand je prenais la Bible, il me disait, ouvre. Quand j'ouvrais, c'était, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Mais si je disais, mais Dieu, il est là. J'arrivais plus à prier comme ça. Je priais plus comme ça parce que j'arrivais plus à parler. Ben, je priais en intérieur parce que j'arrivais plus à parler. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, c'est quoi au juste. C'est la seule fille que j'ai. Maintenant, je vais perdre cette fille. C'était impossible pour moi. On a appelé l'apôtre. Mais l'apôtre nous disait, OK, je vais venir acheter un billet. Mais après, il ne venait pas. On rappelait, j'ai appelé même 10 fois. C'était impossible de décrocher, même pas. J'ai laissé des messages et tout, il n'y avait rien. Donc, on était vraiment juste comme ça. J'ai dit, OK, je ne vais plus appeler. S'il va venir, il va venir, si Dieu le veut. Parce que tellement que j'ai appelé que l'apôtre, je me suis repentie. Comme ça, la nuit, je dormais. Une fois, il me dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. On m'a dit ça. J'ai dit, OK, Dieu, pardonne-moi, parce que je croyais comme si c'était le frère Chora qui devait trouver une solution, parce que le médecin ou personne n'a trouvé quelque chose. Je me suis repenti, j'ai dit, j'appelle plus. Et nous-mêmes, à l'époque, on était en plein problème, plein combat. Oui. Je ne voulais pas forcément t'en parler. C'était vraiment, j'avais dit, OK, je me réponds, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit même à mon mari, non, la nuit quand je dormais, j'étais à l'hôpital, mais une fois il m'a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, nous devons se confier à l'Éternel. Parce que frère Chora, il n'est pas Dieu. Moi, je me suis dit comme ça. Mais quand elle a commencé à faire des gestes comme si elle est devenue folle, ça m'a paniqué. J'ai été paniquée. Mon mari n'était pas là, j'étais toute seule. Je suis partie appeler des infirmières pour leur montrer. Ils disaient, mais le médecin arrive tout de suite. Là, j'essaie encore d'appeler l'apôtre. Je vous ai appelé, vous avez décroché, vous avez prié, vous avez chassé cet esprit de folie. Et elle est redevenue normale. C'était arrêté, cet esprit-là. Parce que moi, j'ai prié pour ça. Ça partait, ça revenait. Ça partait, ça revenait. Parce que j'ai chassé cet esprit de folie. Parce qu'elle n'avait que 20 mois. Parce que c'était impossible qu'elle devienne folle. Je disais, mais ce n'est pas normal. Comment est-ce que cet enfant, elle était bien? Comment est-ce qu'elle peut devenir folle? Et puis elle tremble comme ça, c'est quoi ça?
J'ai chassé cet esprit de folie, mais ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Et ça, je n'avais même pas dit ça, on n'avait pas dit ça aux amis. Mm-hmm. On a gardé ça juste pour moi et mon mari. Mm-hmm. Et puis j'ai appelé l'apôtre. Et il a prié, il a chassé l'esprit et ça s'est arrêté. Quand il a prié, c'était terminé et ça restait juste comme elle tremblait. Après plusieurs examens, il n'y avait rien, mais les médecins, ils ont dit, bon, peut-être elle a quelque chose, comme elle a 20 mois, elle mm-hmm. a encore un bébé, peut-être il y a quelque chose qui est caché. Ils ont dit, ok, nous allons faire, comment on appelle ça Une biopsie? Non. Tout ça, ils ont fait. D'accord. Mais ils vont faire un traitement. D'accord. Thérapie. D'accord. Bon, thérapie, stéroïdes, je ne sais pas en français comment on appelle ça, en anglais c'est stéroïdes. Mm-hmm. C'est un traitement qu'on fait pour les gens qui ont un cancer. D'accord. On l'a fait. Une thérapie, radiothérapie. Non, c'est comme... chimiothérapie, ouais. Et c'est comme ça. Ok. Mais c'était sur stéroïdes, quoi. Wow. On a dit qu'ils vont faire ça. Ils ont fait ça ces 3 jours. Mm-hmm. C'est juste trois fois. Ils font des perfusions pendant 2 ou 3 heures, pendant 3 jours. Mais après, il y a des suivis pendant 2 ou 3 mois. Wow. 2 ou 3 mois, il y a des médicaments qui commencent forte dose, vous descendez. Mm-hmm. Mais elle avait fait un régime. Parce que c'est pour renforcer un peu ses muscles et tout, pour qu'elle puisse un peu se tenir debout. Mm-hmm. Et puis, mais là, 2 jours après, elle a rejeté, ça a recommencé. Je l'ai ramenée encore à l'hôpital. On a dit, on attend un peu parce que, comme ils ont fait ça, ça fait pas longtemps, ils ne peuvent pas encore faire qu'on attend un peu. Parce qu'on était entré le 16 juin et on est sorti le 1er septembre. Wow. On était à l'hôpital. Ils ont dit, ok, ils vont attendre un peu, malgré qu'ils n'ont rien vu. Parce qu'ils n'ont rien vu, ils ont tout fait, mais ils n'ont rien vu. Ils ont fait des radioactives mm-hmm. plusieurs fois, mais il n'y avait rien. Mais les médecins ne comprenaient pas, ils se disaient, mais quand on fait ça, quand même, souvent on trouve s'il y a quelque chose. Mais là, il n'y a rien. Moi-même, je savais que c'était un combat, c'est parce que je faisais des rêves comme ça, comme si des gens venaient pour la voler. Okay. Mais je la gardais comme ça, je la tenais tellement, dans tout le rêve, je la tenais tellement fort comme ça, mm-hmm. que les gens voulaient qu'elle tombe, les gens voulaient l'arracher. Et tout, je disais, c'est un combat. Je disais à mon mari, ça, c'est un combat. C'est les rêves que j'avais fait là. Mm-hmm. C'est ce qui... Je crois qu'il y a quelque chose, nous devons vraiment prier. Et on priait, j'ai sollicité des frères aussi pour prier pour elle. Mm-hmm. On priait. Et ils ont encore fait les chignons encore pour la deuxième fois. Mm-hmm. Et ça a un peu aidé quand même, parce mm-hmm. qu'elle marchait quand même, elle marchait pas bien, parce qu'à l'hôpital, même des gens rigolaient quand les gens venaient, des gens, ils sont des fois... Mm-hmm. Pour moi, j'étais contente parce qu'elle marchait un peu, mais elle bougeait, mais quand même, elle faisait des pas. Mais c'était vraiment quand je regardais comme ça, j'ai dit, maintenant elle est petite, je suis là. Mm-hmm. Mais quand elle va devenir une jeune fille, ce sera vraiment difficile. Wow. Parce que c'est comme si elle était condamnée. C'est ça. Même une fois, on nous a dit, ok, rentre à la maison, c'était le vendredi, comme ça elle va un peu se reposer, elle va un peu jouer avec ses frères. Après, vous allez la ramener après. Mais si vous trouvez que vraiment elle n'est pas bien, il faut la ramener. Mm-hmm. Et quand on est rentré, ça a recommencé encore. Wow. Et on est vite parti à l'urgence. Et le médecin me disait, mais qu'est-ce que tu crois, toi? Quand j'ai amené la fille pour... Mm-hmm. Il me disait... Il me disait comme ça à l'urgence, qu'est-ce que tu crois? C'est comme ça, c'est comme l'escalier. Hein? Quand on est en pleine forme, on monte les escaliers. Mais elle est en train de descendre. Mm-hmm. Jusqu'à quand elle va arriver là en bas, c'est fini, c'est la fin. Wow. Et j'ai dit au médecin, je prends tout ce que vous venez de dire là, je le mets dans la poubelle. Comme il y avait la poubelle juste à côté, j'ai mm-hmm. dit, je mets ça dans la poubelle au nom de Jésus. Amen. Parce qu'elle, elle ne va pas descendre, elle va monter. Parce Amen. Que Dieu, je ne crois pas que Dieu peut me donner, je n'avais pas demandé une fille. Mm-hmm. à Dieu, mais il m'a donné, c'est pourquoi il a donné. Mm-hmm. Donc je ne crois pas qu'il va la reprendre juste comme ça. Et il disait, mais non, tout ça, tu peux la laisser, mais bon, faut comprendre qu'elle est en train de descendre, c'est comme ça. Mais moi, je disais, non, c'est pas possible, mm-hmm. elle ne descend pas. Et ça a créé même des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, à l'hôpital là où elle était, le médecin qui m'a dit ça, il y a une photo qu'il a mis avec la police pour mmh. dire qu'il n'y a pas des attaques verbales. Mmh. Mais je n'ai pas attaqué, j'ai dit que je prenais toutes les paroles qu'il a dit, je les mettais dans la poubelle. Jusqu'aujourd'hui, quand on part là où il y a l'hôpital des enfants, mmh. à Tala, là où je suis, les gens qui habitent en Irlande, ils savent, ils vont voir la photo là. Il a fait avec la police Il a eu peur, quoi. Il a eu peur. Mm-hmm. Je lui ai dit, je prends toute seule. J'ai pris le nom du médecin, j'ai écrit, j'ai dit, un jour, vous allez voir ma fille. Mm-hmm.
J'ai dit, elle ne sera jamais en bas. Ça sera, pas parce qu'elle va être grande, elle va se marier. Amen. Mais le médecin croyait que je l'attaquais parce que pour lui, c'était normal qu'elle descende. C'est normal de ça. Chaque jour, elle descendait aussi. Mm-hmm. Mais je voyais qu'elle descendait, mais je savais qu'il y a un Dieu qui est là. Amen. Parce Amen. Que Job, Job aussi, c'était pareil. Mm-hmm. Il a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera, même le dernier. Mm-hmm. Donc le Seigneur est là. Je croyais, je savais qu'il allait s'élever pour elle. Mm-hmm. Parce que je me disais, mon mari, parce qu'il chante, il a fait un chanson, il disait, c'est à Lingala, il dit, Sokoya kite, nini na linga ki kosa la. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce que j'allais faire dans mes épreuves? Dans mes épreuves. Mm-hmm. Donc ces chansons-là, j'ai chanté ça, je disais, heureusement tu es venu. D'accord. Si tu n'étais pas venu, elle allait partir. Mm-hmm. Mais comme tu es venu, je sais qu'elle, elle ne partira pas. J'ai chanté cette chanson-là, je disais, si tu n'étais pas venu, qu'est-ce que j'allais faire? Heureusement tu es là. Amen. J'ai confiance parce que tu es là. Amen. Même à l'hôpital, il y avait des psychologues qui venaient pour moi parce qu'ils savaient que c'était la seule fille. Et ils savaient que, parce que je ne parlais pas. J'étais là, j'étais dans ma chambre, des fois j'étais calme, je ne parlais pas. Ils me disaient, mais c'est dangereux, ce n'est pas normal, tu peux faire un AVC, tu peux mourir comme ça parce que si elle meurt, toi aussi tu vas partir. Mm-hmm. Parce que tu ne parles pas, ça se voyait qu'elle allait vraiment descendre. Et il me disait, tu peux parler. Je leur ai dit un jour, qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que vous n'avez pas créé cet enfant. Mm-hmm. Je parle à celui qui a créé cet enfant. Mm-hmm. Je ne peux pas vous parler. Je peux vous parler aujourd'hui jusqu'à demain. Qu'est-ce que vous allez faire? Mm-hmm. Parce que les médecins ne font rien. Alors vous allez faire quoi? J'ai dit, je suis en train de parler à celui qui a créé cette fille. Parce qu'il y a un créateur. Moi, je suis juste quelqu'un qui accompagne cet enfant sur ces terres, mais il y a son père qui est quelque part. Mm-hmm. Donc je parle à son père parce que je sais que son père, il va intervenir. Je disais ça, je leur ai dit comme ça, ok, maintenant il faut parler, tout ça, si tu ne parles pas, tu peux mourir. Mm-hmm. Moi j'ai dit, je n'ai pas besoin des psychologues, je n'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai besoin juste de Amen. Dieu. Et puis j'ai parlé, je ne priais pas vraiment comme ça, je priais à l'intérieur. Mm-hmm. Après les deuxièmes thérapies, et l'apôtre nous a dit, est-ce que vous ne pouvez pas venir? Parce que vous avez dit que ce n'était pas possible. Est-ce que vous ne pouvez pas venir? On dit, ok. Parce que là, je n'avais pas encore la nationalité. Mm-hmm. On devait faire le demande de visa. Mm-hmm. On a dit, ok, on va essayer pour le 21 décembre. Mm-hmm. On a essayé, mais on ne nous avait pas donné le visa pour le 21. Mm-hmm. Et on a reçu le visa pour... On a déjà acheté le billet pour le 24, mais on n'avait pas encore le visa. Mm-hmm. Moi et mon mari, parce que les enfants, ils sont irlandais. On n'avait pas encore le visa. Mais on a dit, on achète déjà les billets. Mm-hmm. On a acheté pour le 24. C'était le soir. On nous a accordé le visa les 24. Mon mari est parti les chercher le matin, très tôt matin. Wow. Il arrivait à midi. Quand il est arrivé, on a commencé, on a fait tout. On avait déjà fait nos bagages. On a juste changé les habits. On a mis et puis on est venu. Mm-hmm. On l'a Amen. Amené la fille. Malgré elle était comme ça, on l'a amené comme ça. Même je sais que l'apôtre l'a vie. Mm-hmm. On a dit, on s'est dit, on va partir comme ça. Mais elle bougeait beaucoup, elle voulait même tout, parce que quoi, quand c'est on fait les stéroïdes, quoi, les traitements, ça, les enfants vraiment ils bougent beaucoup. Mm-hmm. Des fois c'est insupportable. Des fois je pleurais parce qu'elle bougeait, c'était impossible. Elle tremblait comme ça, mais elle était vraiment insupportable. Est-ce qu'avant de venir avec elle, quand vous êtes venu, est-ce qu'on avait découvert elle avait quoi, des ganglions? Non, on avait pas encore, rien du tout. On n'avait rien découvert. Rien du rien. Tout. Non, rien. Il n'y avait rien. On ne voyait pas la maladie. On ne voyait pas. Juste avant. Avant qu'on puisse venir ici, on a fait radioactif encore. Mm-hmm. Juste après deux journaux, on est venu. D'accord. On est venu ici. On n'a rien trouvé. Il n'y avait même pas de traitement. Ils ont tâtonné. En fait, pour les thérapies, ils ont juste tâtonné pour un peu renforcer. Parce qu'elle bougeait tellement trop qu'il fallait un peu diminuer la façon dont elle bougeait. Quand on est venu ici, on a expliqué Freshora. Quand Freshora vit ma fille... Il a rigolé, je ne sais pas s'il se souvient. Oui, il a dit, le diable, c'est un menteur. Il a rigolé, il a dit, cet enfant, elle va chanter pour Dieu. Amen. Et puis mon mari a dit, ah, c'est la seule personne qui chante. Wow. Quand mon mari chante, elle chante aussi. Wow. Oui, et l'apôtre, on n'avait pas dit ça à l'apôtre, mais l'apôtre a dit qu'elle va chanter pour Dieu. Elle a dit, le diable, il a déjà échoué. Et il a appelé le frère Julien. Mm-hmm. Il a dit, si vous pouvez prier. Mais l'apôtre Chaud nous avait dit le samedi d'amener l'huile de lundi. Okay. Mais vous n'avez même pas demandé, vous n'avez même pas prié pour ça. On a laissé ça dans la poussette. Juste le frère Julien a prié pour la fille. Il a mis juste la main comme ça, dit que Dieu bénisse cet enfant. Et c'était tout. Moi, je dis, ah, c'est tout.
la foi. Moi, je dis, c'est tout. Et puis, c'est rien, là. Et lui, mon mari, bon, il n'a pas demandé, lui, on est rentré. J'ai même préparé avec l'huile qu'on avait achetée. Chez ma soeur, j'ai préparé avec. J'ai dit, bon, il n'a pas demandé. Et par la foi, le même jour, la nuit, j'ai fait un rêve, comme si on avait fait, comment on appelle ça en français. On avait fait un trou pour elle. On avait mis le cercueil et tout. D'accord. Mais c'était vraiment à sa taille, dans le rêve. C'était à la okay. taille de ma fille. Et moi, j'avais toujours ma fille comme ça. Wow. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, les autres qui arrangeaient, les autres qui étaient debout. Et une voix me dit, tu vois tous ces gens-là, ils attendent la nouvelle parce qu'ils ont mis une piqûre de cancer dans la... Okay. Dans l'enfant, c'est pour ça qu'ils sont en train d'attendre que les médecins vous annoncent qu'elle a un cancer qui va la tuer bientôt là, parce que c'est vraiment pour maintenant. Wow. Mais jusque là, il n'y a pas encore. Les médecins, ils n'ont rien vu. C'est pour ça qu'ils sont en train d'attendre comme ça. Et j'ai pris l'enfant, j'ai essayé un peu de la mettre. J'ai dit, c'était vraiment à sa tête. J'ai dit, mais ces gens-là, comment ils ont fait ça vraiment à la tête de ma fille? Et moi, j'avais la fille comme ça. Je suis sortie de la maison, comme il y avait beaucoup de gens, mm-hmm. mais un esprit m'a dit, rentre là-bas, va chercher quoi, les trucs là. Mm-hmm. Mais quand je suis venue pour chercher, comme c'était un cercueil, j'ai touché que c'est devenu comme une plastique. D'accord. Et j'ai pris le plastique, j'ai fait comme ça, c'est devenu un boule comme ça. D'accord. Je l'ai mis dans le cheminée de mm-hmm. ma maison. Là, mm-hmm. dans le rêve, c'était comme ma maison, je l'ai mis dans le cheminée et j'ai demandé de l'allumette. Quand j'ai allumé, je me suis réveillée. D'accord. Je disais, j'ai réveillé mes soeurs, j'ai dit, ah. j'ai fait un rêve, j'ai expliqué, j'ai dit, nous devons vraiment bénir l'Éternel. Mm-hmm. Je crois que Dieu a délivré ma fille. Ma sœur me disait, mais comment ça? Je dis non, on l'avait mis, elle a un cancer. Ma sœur me disait, mais à l'hôpital, on n'a rien dit. J'ai dit, dans le rêve, on m'a dit qu'elle avait un cancer. La voix m'a dit que, tu vois, ces gens-là ont mis le cancer dans le corps de ta fille. Mm. Et on a béni l'Éternel, on a chanté, on a béni vraiment l'Éternel. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas dit... guéri ma fille, je disais juste merci Seigneur parce que tu l'as guéri. On a prié et puis c'est fini. Après deux jours, l'hôpital m'appelle mm-hmm. à partir d'Irlande. Est-ce qu'on peut voir Joyce? Mais je dis, moi je ne suis pas en France. Mais on sait que tu n'es pas en France parce qu'on a composé les numéros. Mais est-ce que tu savais que Joyce n'avait pas le droit de sortir d'Irlande parce qu'elle est sous suivi médical? Je dis oui, je savais, mais je rentre dans deux jours. Mm-hmm. Ils ont dit, tu dois rentrer pour amener Joyce le vendredi. Je suis rentrée. J'ai amené Joss à l'hôpital. On nous a appelés, moi et mon mari, pour nous dire que l'enfant avait le tumeur. J'ai rigolé. Wow. Ils ont dit on t'annonce qu'elle avait une tumeur. Une tumeur. Et tu as commencé à rigoler. Mais je disais, bon, je savais déjà. Je n'ai pas... Quelle foi. Ils ont surtout dû se dire, mais ils sont fous. Elle est folle. Ça est... Ouais, parce qu'ils disaient, ok, appelle ton mari parce qu'on doit en parler. Parce que souvent, comme ça, ils appellent. Mm-hmm. Mon mari était là, il devait... il devait être là et puis il y avait plusieurs médecins pour nous annoncer comme ça, expliquer. Moi je disais, mon mari n'était pas là, je dis, dites-moi tout, je vais lui dire. Il dit, oh, non, c'est pas possible. Je dis, dites-moi, je m'en fous. Parce que là j'avais confiance qu'elle était vraiment guérie. Malgré elle était encore pas bien. Mm-hmm. Et puis ils ont cherché mon mari, ils ont dit, on ne peut pas te le dire toute seule. Ils ont appelé mon mari. Ils ont dit que non, elle a une tumeur multiple, parce d'accord. qu'elle en avait trois. Trois tumeurs. Ici, wow. là, et puis je crois quelque part là. Mm-hmm. Mais ils ont dit, mais on dirait, les deux autres ont commencé un peu à sécher. Wow. Parce qu'on ne voit plus vraiment, il n'y a que des traces, mais celle-là, elle est encore donc, là. Donc trois tumeurs, oui. Il y en a deux qui commençaient à sécher. Et tout seul. C'est ce que les médecins ont vu. Oui. Wow. Et puis elle avait un autre ici. D'accord. Mais ils ont dit pour celle-là, elle doit être opérée pour ça, parce que c'est vraiment pas, c'est mal placé là. D'accord. Mais si elle est opérée, c'est un problème. Si elle n'est pas opérée aussi, c'est un problème. Les deux solutions, c'est pas bien. Wow. Parce que c'était vraiment pas bien. Mais le médecin a dit, mais comme si ça commençait un peu à sécher. La troisième tumeur commençait aussi à sécher. Il a dit comme si, il a dit comme ça. Mais après, le médecin disait, ah, ben c'est bizarre. Comment est-ce que quand elle était malade, on n'a rien vu. Mm-hmm. Et là, ça commençait à guérir toute seule. Wow. Donc, j'ai demandé au médecin, est-ce que c'est possible qu'un tumeur se guérisse tout seul? Il dit, bon, des fois, peut-être elle est née avec ça. Bon, d'autres enfants sont un peu bizarres. C'est moi, je savais déjà qu'elle était guérie. Il dit, c'est un peu... Bon, le retour, mes amis. D'accord. Il disait que c'est un peu bizarre, mm-hmm. quoi, parce que... moi, j'étais là, je m'en foutais de ça. À l'intérieur, je commençais déjà à bénir Dieu. C'était du rien, j'ai chanté.
On m'a annoncé qu'elle avait une tumeur, j'ai chanté. Et toi, tu chantes? J'ai chanté toute la journée, j'étais vraiment heureuse. Je ne sais pas pourquoi j'étais heureuse. J'ai chanté toute la journée. Waouh. Dans la voiture. Parce qu'on avait commencé un jeûne avant de partir là-bas chez le médecin. D'accord. J'ai gêné pour 3 jours. Quand on m'a annoncé qu'elle avait une tumeur, j'ai arrêté. J'ai dit, ok, on va manger. J'ai dit à mon mari, je commence déjà à manger là. Waouh. Elle est guérie. Pour moi, c'est déjà confirmé qu'elle est bien. Parce qu'on nous a envoyé effectivement dans un centre de cancer. Parce qu'on nous avait envoyé déjà là-bas avant. D'accord. Avant qu'on D'accord. vienne ici. Elle était déjà, on la suivait déjà là-bas. On a continué et puis après, ils nous ont fait une lettre pour l'amener au centre de cancer et puis aller voir le chirurgien pour mettre un truc canu, je ne sais pas. Une espèce de cathéter, je ne sais pas quoi, ouais, là. Quelque chose voilà, comme c'est ça, ça ouais. Là, voilà. Pour qu'on puisse déjà la mettre ça, pour qu'on laver le sang. C'est ça, c'est ça. Là. On nous a dit d'aller voir le médecin. Tout mon mari disait, on va pas aller voir le médecin, c'est fini, il n'y a pas de truc, on va rien mettre. Il disait ça, moi je dis, mais on peut aller, il dit, elle est déjà guérie, ça, on va pas partir chez, mm-hmm. chez le chirurgien, mais on va partir quand même le centre de cancer pour confirmer que tout va bien. D'accord. Et puis il y avait des radios qu'on faisait pour voir, il y en avait, ça commençait à sécher, ça commençait à diminuer, sécher, et wow. puis c'était fini. Waouh. Amen. C'était, il n'y en avait plus. Les trois ont séché et disparu. Oui, c'était disparu. Seigneur Jésus, on peut remarquer le Seigneur, mesdames. C'était vraiment disparu. Et quand je vois cette fille, quand elle marche, je dis merci Seigneur. Maintenant, elle marche normalement. Quand on est venu ici, quand on est rentré, uh-huh. elle a commencé à être stable. Après, elle a commencé à marcher normalement. Wow. Elle sautait. Wow. Maintenant même, elle saute, elle fait tout. Elle est vraiment courageuse, elle est en bonne santé. Elle ne descend plus les escaliers. Elle ne fait que monter maintenant les escaliers. Gloire à Dieu. Elle est vraiment sortie d'affaire. Parce que le dernier rendez-vous, c'était au mois de mars D'accord. 2014. D'accord. Quand on est parti au centre du cancer, ils ont fait encore des examens. Le médecin nous a annoncé que bon, je n'ai plus besoin de la voir. Il n'a plus besoin de la voir. Parce qu'elle est clean. Oh là là, Jésus, le Nazareth. Il n'y a plus de ganglions. Parce que quand on a des tumeurs comme ça, souvent il y a des ganglions, ils savent où toucher. Elle a touché, elle a fait tout, il n'y avait plus rien. Waouh. Elle a fait des examens, tout d'urine, tout, il n'y avait plus rien. Elle a dit que je ne veux plus la voir. Waouh. Elle est sortie d'affaire, elle est clean. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu n'es pas venue avec le papier, là, la preuve médicale. Non, pas. C'est resté à Dublin. C'est resté à Dublin. Beaucoup tellement. Waouh. Et c'est resté à la maison. Mais une prochaine fois. Oui, je vais l'amener. Parce que c'est beaucoup. Et puis, il y a des noms là, un peu un bizarre tumeur. Ben, c'est ça le problème, ce sont des démons qui sont derrière là. Il y a des noms un peu spéciaux. Mais moi j'ai béni l'Éternel parce qu'elle est sortie d'affaire. Elle marche très bien. Il n'y a plus de séquelles. Il n'y a plus rien. Mes amis, est-ce que dites-moi, vous qui nous suivez ce soir, qui est cet homme-là? Qui est ce Dieu-là? Mes amis, qui soit capable d'opérer de tels signes, de telles choses, si ce n'est que l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le retour, merci. Notre Seigneur et Sauveur, quel est ce Dieu, à part Adonai, Elohenu, El Shaddai, El Elyon, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Yeshua, notre Père, notre Seigneur Yeshua, le Dieu de notre Seigneur Yeshua, notre Père et Seigneur, qui, à part lui, qui d'autre? Personne d'autre. Même les médecins ne peuvent pas. Mais la preuve, il y a une chose que les frères et sœurs doivent savoir, c'est que quand il y a un réveil quelque part, quand il y a une action de l'esprit quelque part, quand Dieu visite un peuple, un endroit, il n'y a pas forcément besoin, quand vous venez à cet endroit-là, qu'on vous impose les mains. Oui. C'est l'atmosphère même est déjà préparée. Amen. C'est pour cela que Dieu disait à Moïse, ôte tes souliers, hein, tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, sanctifié. Et c'est ça qu'il faut que les frères et sœurs saisissent davantage. Et c'est ça le message. L'ombre de Pierre seulement, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Pierre n'avait même pas besoin d'imposer les mains. C'est-à-dire les gens qui approchaient, qui entraient dans le périmètre de Pierre, parce que Pierre était mandaté par Dieu, parce que Pierre était rempli d'onction sainte, les gens étaient guéris. Les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul,
était appliqué sur des malades et les malades étaient guéris au nom de Yeshua. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est quand on est dans un environnement, dans un endroit où il y a le feu, où il y a la sainteté, où le nom de Yeshua est proclamé, les gens sont naturellement guéris, comme cette femme qui a touché, n'est-ce pas, le pan de la robe de Yeshua, de sa tunique, elle était instantanément guérie. C'est pour cela que quand les gens parfois viennent de loin comme ça au programme de réveil que Dieu nous donne à organiser ici et là, parfois les gens sont surpris, hein, mais le frère il ne m'a même pas touché, il n'a même pas prophétisé, non, c'est même pas ça. Le problème c'est que moi je sais dans l'esprit au nom de Yeshua que les gens sont déjà guéris. Alléluia. Donc, donc naturellement, c'est à vous de saisir les choses par la foi. Et puis, vous avez vu la sœur, après le passage, elle rentre chez sa sœur. La nuit, Dieu lui donne un songe où elle a vu carrément un trou, n'est-ce pas, avec un cercueil à la taille de sa fille. Et c'était le cercueil de sa fille. Et elle a pris ce cercueil qui s'est transformé en plastique. Et elle a fait avec ce cercueil une boule qu'elle a jetée dans sa cheminée. Elle a mis le feu et elle a compris en se réveillant que c'était la délivrance de sa fille. Et on ne voyait pas la maladie. Les médecins, malgré leur science, malgré leurs études, malgré leur intelligence, n'ont pas vu ces trois tumeurs. Et après la prière au nom de Yeshua, les tumeurs se sont révélées et ont séché. Est disparue et cet enfant aujourd'hui, comme Dieu l'avait dit qu'elle allait chanter, elle chante, elle marche. Le médecin qui avait dit qu'elle allait descendre les marches pour mourir à la fin, mes amis, aujourd'hui cet enfant monte comme l'escalier, hein, monte l'escalier de Jacob jusqu'au ciel. Alléluia. Non, il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut produire de telles choses, frères et sœurs. C'est pour cela que les chiens aboient, la caravane passe. C'est le Mont Carmel que chacun produise les œuvres. Voilà, le Seigneur disait, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Ben moi, je peux le dire aujourd'hui. Si vous avez des doutes, il n'y a pas de problème. Allez voir Dieu. Priez, au moins Dieu vous parlera. Et que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Satan ne guérit pas les cancers. Satan ne guérit pas mes amis des gens. Au nom de Yeshua, c'est sa grâce. C'est le Saint-Esprit au nom de Yeshua. Alors, au lieu de commettre le blasphème contre l'Esprit, priez plutôt parce que vous risquez d'être sévèrement jugé par Dieu. Waouh! As-tu autre chose à dire? Parce que nous avons quelqu'un en ligne, je crois. Je ne sais pas si le standard fonctionne. Ok, on y va. Allô, bonsoir. Allô. Allô, 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 bonsoir. Allô. Non, on a vraiment un problème avec le standard. Je ne sais pas s'il ne va pas falloir le changer. Alors, un passage dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, je veux le lire pour vous, il n'y a pas de souci. Luc chapitre 7. On va lire à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oh my God, alléluia. Comme le Seigneur a rendu ta fille. Oh alléluia, gloire à Dieu. C'est magnifique, il n'a pas changé Jésus. Hein. 2000 ans après, il est toujours le même. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Quand Dieu visite son peuple, il y a des guérisons. Quand Dieu visite son peuple, il y a des conversions. Quand Dieu visite son peuple, frères et sœurs, il y a des miracles. Il y a des miracles. Prêcher, c'est bien. Mais mes amis, la prédication qui n'est pas accompagnée des signes, des conversions, des baptêmes, de guérisons, cette prédication n'est pas de Dieu. Frère, vous me direz, mais oui, mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Mais oui, nous ne sommes pas à l'époque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, mes amis, c'était avant la grâce. Avant que la grâce ne soit révélée. Mais Yeshua a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Le cancer est un nom. Et devant le nom de Jésus-Christ, le cancer se met à genoux. Les trois, mes amis, tumeurs cancérigènes, mes amis, ont séché et ont disparu. Et, mes amis, on nous dit ici que
que le peuple a dit. C'est le peuple même. Comme aujourd'hui, mes amis, ce sont des chrétiens eux-mêmes, malgré le combat. C'est vous-même qui allez constater qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Et c'est ça le problème. Dieu, aujourd'hui, mes amis, fait et fera la différence. Dieu, mes amis, c'est comme ça qu'il a fait avec le prophète Élie, devant 850 faux prophètes. Parce que les faux prophètes, ils sont toujours nombreux. Ils sont toujours en association. Vous voyez, ils sont toujours connectés les uns aux autres. Ils sont toujours dans l'écuménisme, dans le syncrétisme. Mais les vrais enfants de Dieu, ils sont toujours solitaires, ils sont seuls. Mais parce qu'ils sont avec Dieu, Dieu, mes amis, les accompagne. Dieu accompagne sa parole. Et on apprend, mes amis, ici que cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il y a des gens qui sont informés par rapport à tout ce que Dieu fait. Ils sont obligés d'être au courant. Ah ben oui, il y a des journalistes qui s'improvisent pour aller informer les uns et les autres de ce que Dieu fait. C'est obligé. Ça se trouve que toi-même qui me suis ce soir, qui me combat, ça se trouve que toi-même tu vas informer les autres. Tu es obligé de te connecter sur TV de vie, c'est plus que toi. C'est plus fort que toi, tu n'as pas le choix. Et bienvenue. Alléluia, comme je dis, j'ai créé un mot nouveau, la connectation. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la connectation. C'est-à-dire, les gens sont obligés de se connecter. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Ils sont obligés pour informer les autres. C'est obligé, t'es obligé, mon ami, parce que, nous sommes dans une époque où il y a la famine. Hein? Nous sommes dans une époque, mes amis, où les cancers ne disparaissent plus comme ça. Où les médecins ne sont pas choqués comme ça, par des guérisons miraculeuses. Où des médecins disent, non, suite à une prière, hein, faite par un pasteur, par un prédicateur évangéliste, il y a guérison. Frère, c'est devenu rare. Ben, je vous dis, nous sommes dans une époque où des baptêmes comme ça, où les gens viennent pour dire, moi, pendant 14 ans, j'ai trafiqué des papiers, aujourd'hui, je me repens. Frère, c'est devenu rare. Où des sorciers se lèvent devant tout le monde, sans honte, pour dire, je suis sorcier, nous sommes des sorciers, c'est devenu rare. Oui, frère. Alors, du coup, tout le monde, il y a des informateurs, il y a des journalistes qui s'improvisent, qui regardent et qui informent les autres. C'est obligé, tu n'as pas le choix, c'est plus fort que toi. C'est vrai, on ne peut rien contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. La vérité est immuable, la vérité restera la vérité. Et la Bible nous dit que Jean de sa prison va être informé par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean nous a envoyé vers toi pour te dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, j'aime la parole de Dieu, à l'heure même, voilà la réponse de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, ce que Dieu va faire jusqu'à son retour, ce que Dieu va faire, c'est qu'à l'heure même où les gens vont parler contre toi, mon frère, toi qui es combattu, ne pleure pas. Toi qui es combattu à cause de la vérité que tu prêches, ne pleure plus, ne baisse plus les bras, ma sœur, mon frère. À l'heure même où les gens te critiquent, Dieu va opérer des signes. Dieu va opérer des signes qui vont choquer les gens. Et on nous dit qu'à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, l'évangile est annoncé aux pauvres. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà. Donc la réponse de Jésus, c'était quoi? Oh non, mais vous savez, effectivement, c'était pas ça la réponse de Jésus. Oh, mais vous savez, je suis Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Dieu véritable. Eh bien, j'ai été formé par mon Père, j'ai fait 4 ans de théologie, vous savez quand même, arrêtez de me parler comme ça, arrêtez de dire des choses sur moi, tout ça. Non, la réponse de Jésus, c'était à l'heure même. Miracle, guérison, prédication avec le feu, la puissance de la résurrection, frère, à l'heure même. C'est-à-dire un package. Tu vois Aurélie, guérison d'un côté, miracle de l'autre, restauration de l'autre, prédication de l'évangile pur. Mes amis, tout ça, ça fait un paquet, un package. Allez, prenez le package. Allez montrer ça à Jean. Et aujourd'hui, c'est le package. Hein? Conversion, baptême, repentance. Hein, mes amis, alléluia. Conversion en masse. Le feu qui se répand partout. Des maisons qui s'ouvrent avec des gens qui viennent de partout pour prier.
Le feu du réveil qui est allumé. Mes amis, voilà la réponse. Vous voulez quoi encore? Je ne veux pas vous appeler pour vous dire, non, mais je suis un vrai chrétien, je suis un vrai serviteur de Dieu. Non, mais je n'ai pas le temps pour ça, c'est la distraction. Je ne suis pas là pour vous dire, mais je suis un vrai homme de Dieu. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier, donc je ne peux pas appeler tout le monde pour commencer à vouloir vous dire, je suis de Dieu. Non! À l'heure même, regardez ce que Dieu fait. Voilà, allez prier. Et vous qui êtes combattus, c'est la même chose. Laissez Dieu se servir de vous. Vos ennemis changeront de langage. Aujourd'hui, je voulais parler des barbares. Mais c'est demain soir. Connectez-vous 20h30 demain, frère. Un enseignement prophétique que Dieu m'a donné, mes amis. Sur, mes amis, les vrais enfants de Dieu. Comment, ce qui va se passer, frères et sœurs, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain. Demain, connectez-vous sur TV Radio de Vie à 20h30. Et à l'heure même, il fait tous ces miracles et ils vont voir Jean pour dire, en fait, les signes que nous avons vus attestent que c'est bel et bien lui qui est le Machia, le Dieu dont il est question dans Ésaïe 35. Voici votre Dieu viendra lui-même et les sourds entendront, les aveugles verront et c'est bel et bien lui. Et ça a pesé Jean-Baptiste. Voilà. On a quelqu'un en ligne? Allô, bonsoir. Allô? Ah, cette fois-ci, l'équipe technique, vous risquez d'avoir le carton rouge. Tout à l'heure, on a entendu une sœur, on a entendu un... Allô? Allô, bonsoir. Je crois que c'est la notre sœur Titi d'Irlande. Ok. Allô, God bless you, sister. How are you? How are you? Alléluia. How are you? Alléluia. Toi, t'es anglaise. Dieu est bon. Nous sommes dans la joie. C'est une joie pour moi d'entendre de tels témoignages. Vous ne pouvez pas vous imaginer, frère, à quel point je suis encouragé. Et nous avons beaucoup de mails, de frères et sœurs qui nous envoient des mails, comme des frères de Nantes qui prient, qui ont ouvert leur maison maintenant, qui ont quitté les églises babyloniennes, qui ne sont plus les bâtiments des hommes et qui sont dans leur maison. Il y a un frère qui m'a envoyé des frères qui sont venus d'ailleurs samedi dernier, d'autres qui m'ont envoyé des mails, notamment un frère qui m'a envoyé un mail tout à l'heure pour me dire, voilà, il a ouvert sa maison, son appartement, il s'est rempli de monde. Et d'autres qui m'ont dit, nous avons ouvert notre maison, il y a une vingtaine de personnes pour la première réunion de partage. Allô? Une vingtaine de personnes, donc les gens sont débordés. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, on vous entend. Allô? Allô? Ah, un problème. Donc voilà, donc c'est ces frères qui se retrouvent à Nantes, qui se retrouvent une vingtaine de personnes dans cet appartement, hein, qui, dès la première réunion, devient, hein, cet appartement devient petit. Et donc ils m'ont dit, ben, on va faire plusieurs maisons comme ça, on va ouvrir plusieurs maisons. Je leur ai dit, c'est le réveil. Allô? C'est le feu du réveil. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Ah, on a vraiment un souci. Hein. Donc le standard, depuis quelques jours, là, ça nous cause des soucis. Donc, et d'autres, dans d'autres pays, ils nous appellent, d'autres, dans d'autres villes, nous, comme à Marseille également. À Marseille, une sœur, on était à Marseille il y a deux dimanches, une sœur nous dit, elle a envoyé un mail, je crois, à David, pour dire, mais écoutez, depuis le passage du frère, et, on se retrouve avec une foule des gens. Et je ne sais pas quoi faire, envoyez-nous des missionnaires. Et les gens ont soif. Et partout c'est comme ça maintenant. Les gens se disent, on sort avec des foules de gens, on ne sait pas quoi faire. Et on ne sait pas prêcher, on ne sait pas enseigner. Envoyez-nous des gens. Envoyez-nous des missionnaires. Donc on est, mes amis, complètement débordés de plus en plus. Est-ce qu'on peut lire les mails, si c'est possible, l'équipe technique? Je ne sais pas si David les a préparés. C'est bon? Mike, merci. Est-ce qu'on peut, on peut balancer les mails pendant que l'équipe prépare, répare le standard. Après, on va te laisser mourir de le micro, pas de souci. Voilà ce mail qu'on a reçu et on va le lire. Vous allez voir comment les frères et sœurs sont encouragés, comment ce feu du réveil se répand. Bonjour à vous tous. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le monde et tout ce qui l'entoure par sa force, sa puissance et son intelligence. Béni soit le jour où j'ai fait connaissance de tes vœux de vie sur Internet. Et Dieu est merveilleux, grand et redoutable. Toutes ces années de conversion ne m'ont servi
ne m'ont pas servi à grand chose, sinon qu'à regresser. Mais maintenant, je comprends mieux l'évangile, le mystère de la parole. Je sais maintenant qui est Jésus-Christ, puisqu'il est lui-même Dieu, que le Dieu puissant qui m'a éclairé, afin que je puisse faire partie de son royaume, bénisse toute l'équipe de TV de vie et son serviteur Chora et sa famille. Je prie pour vous afin que son église, son église, je pense qu'elle soit fortifiée, voilà. Donc, il n'y a pas, ça s'est arrêté là. Afin que son église, voilà. En tout cas, que Dieu soit béni, voilà, c'est encourageant. Il y a des mails qu'on reçoit de plus en plus, hein, donc c'est le feu du réveil partout. Est-ce qu'il y a un autre mail? Voilà, on y va, mes amis. Mes frères, que le Seigneur de gloire vous bénisse pour l'œuvre qu'il fait au travail de vous, hein, de vos mains. Soyez bénis puissamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez combien le Seigneur me bénit au travail de vos messages. J'espère que j'aurai l'occasion de témoigner un jour au téléphone ou en direct, peu importe la manière, du moment que le nom de Yeshua, du Seigneur, soit glorifié, car il revient, car à lui seul revient toute la gloire. Je vous embrasse de son saint baiser. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà. Donc, ça c'est le Japon. Il y a aussi des frères, des sœurs du Japon. Au Japon, il y a des sœurs qui nous ont dit, mais nous avons du mal à nous connecter. Et frères, nous sommes débordés, frères et sœurs, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons plus comment nous... Partout. Ça prend partout. Et ce n'est pas une ou deux personnes. C'est des groupes de 20, 30, 15, 50. Et qui disent, venez, venez, venez nous enseigner. Et je ne sais plus. Le pire, c'est que Dieu nous dit que ce ne sont que les prémices, mes amis. C'est que le début de ce réveil qu'il nous a promis. C'est impressionnant. En fait, moi personnellement, je me dis, mais je crois que je ne réalise pas sérieusement ce qui est en train de se passer là, parce que c'est trop. À chaque fois, à chaque fois qu'on entend une nouvelle, un témoignage des personnes qui disent qu'elles nous suivent de pays, mais auxquelles on n'aura même pas pensé au début. À chaque fois, on se dit, non, entre guillemets, on a l'impression que c'est la chose la plus énorme qui puisse arriver. Et après, Dieu fait encore, quoi. Il fait encore, et on se dit, mais c'est incroyable. Et on sent cette excitation, cet engouement. Ça commence juste comme ça, parce que moi, j'ai découvert comme ça. J'ai regardé une émission, c'était « Il revient bientôt », quelque chose comme ça. D'accord. J'ai regardé, puis la Serra du Nord, c'était en 2008. Il y a une chaîne TV de vie, c'était Radio de vie à l'époque. Ok. Si vous voulez écouter la musique, il faut écouter TV de vie. Je dis, c'est quoi encore? Mais j'ai quand même noté. Après, juste après ça, je suivais toujours cette émission-là. Et j'ai vu une vidéo sur la dîme. D'accord. Une vidéo, pardon, sur la dîme. J'ai dit, ok, je suis. Mais quand j'ai regardé la porte, je disais, ah, c'est un Camerounais, c'est quoi? Parce que je n'ai jamais vu. J'ai dit, ok, je vais suivre. Quand j'ai commencé à suivre... Il parlait un peu de la dîme, je disais, mais lui, il dit quoi là? J'arrête un peu. Mais je sentais comme si je devais encore suivre. Continuer quoi, c'est le feu. J'ai remis encore. Et quand il a dit, ah bon? Je disais, ah bon? Ah bon? J'appelais ma copine qui appelle Maman Titi. Okay. Elle a dit, moi aussi, j'ai regardé ça. Je dis, ah bon, tu as regardé? Oh, oui. C'était vraiment pour nous. Et puis, ça, c'est parti. On a commencé à suivre comme ça. Mm. On a donné aussi aux autres frères. Les autres frères, ils ont commencé à suivre. C'est comme ça. Je ne crois pas même que quelqu'un peut te dire, va regarder, c'est comme ça, juste comme ça, ça commence Amen. Parce que ça, c'est tout seul comme ça, tu vois ça, tu parles aux gens et tout ça, ça part partout, c'est comme ça, bouche à l'oreille, et puis, il n'y a même pas de publicité, je crois, il n'y a rien, ça. Pas de pub, et naturellement, Dieu part. Et surtout, moi, personnellement, ce qui m'encourage, c'est de voir à quel point le Seigneur combat lui-même pour sa parole. Et donne des visions et des songes aux gens pour leur dire, c'est ma parole, ce sont mes enfants, écoutez, recevez cette parole, n'écoutez pas les gens, continuez à persévérer, c'est dur. Pour moi, je suis vraiment convaincue, parce que ça, depuis 2008, moi je suis TV, c'était Radio TV, je suivais depuis 2008, et depuis 2008, moi je ne pars plus dans des assemblées, on est toujours à la maison, et on continue, on prie. Et ça va, tu as une bonne relation avec le Seigneur, avec
À la maison, ça, depuis 2008, on est là, on prie, on Wow. est là. Alors, Dieu fait aussi des miracles, Dieu aussi fait des choses comme Amen. Ça. Amen. Sans pasteur, seulement avec le pasteur de pasteur Yeshua. Oui. Quand je suis malade, des fois, Dieu me guérit comme ça, je prie, bien mes enfants, des fois, c'est comme ça. Moi, Dieu le guérit quand tu pries. Oui, bien des fois, je suis le programme de samedi, comme j'étais vraiment malade, j'avais quelque chose ici, et puis j'ai craché du sang juste comme ça pour rien. Je ne savais pas pourquoi. Mais comme j'ai regardé quoi le programme, c'était au mois 2013, j'ai regardé comme ça, j'étais vraiment pas bien, mon mari n'était pas là, je disais tu dois rentrer, je dois partir à l'urgence parce que je me sens pas bien, j'avais la fièvre. Mais j'ai regardé, j'ai senti comme si quand vous chassez un esprit, c'est une autre personne, moi j'ai senti comme si quelque chose qui montait à moi. Wow. Je suis partie, je vomis du sang avec quelque chose, je savais même pas, je dis ça, c'est quoi encore là, c'est l'urgence maintenant, je croyais que... Mais quand je suis sortie de la salle de bain pour arriver dans ma chambre, je me sens bien, j'avais plus mal. Alléluia. Mais j'avais mal pendant un mois quand même. Wow. Mais je me suis rendu compte, je dis non, je suis guérie. Je suis bien, j'ai plus mal, il n'y a plus rien. Jésus de Nazareth. J'étais là, je disais non, j'ai appelé mon mari, j'ai dit je suis guérie. Il n'y a plus rien du tout, j'avais plus rien du tout. C'était comme ça, c'était fini. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi un peu. C'est Jésus. Et je disais non, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Même si les gens ils critiquent, ils disent je sais que c'est Dieu. Amen. Moi je suis vraiment convaincue que c'est Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, parce que je suis tellement encouragé, je sens dans mon esprit qu'il faudrait qu'on arrête une date pour l'Irlande tout de suite, en janvier. Donc est-ce qu'on peut avoir un calendrier qu'on arrête, l'annonce déjà une date? Parce que je sens que beaucoup de frères et sœurs d'Irlande, moi-même je suis excité là, c'est magnifique. Hein? Il y aura toute l'équipe de TV de vie. En tout cas, on va s'organiser pour qu'il y ait au moins 3 personnes qui partent. Et c'est beau, c'est magnifique, frères et sœurs. Allô, bonsoir. Allô? 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 Non. Oh Seigneur, aide-nous pour que ça marche ce soir. Hein? Allô? Mais quelqu'un... Allô? Allô? Oh Seigneur, merci. Merci pour ta parole en tout cas. Mes amis, c'est... Voilà, vous voyez, avec tout ça, on ne peut pas baisser les bras. Allô? Allô, bonsoir? Allô? Oui, bonsoir? Allô? Allô, bonsoir? Allô? Allô, bonsoir? Allô? On vous entend, bonsoir? Allô? Allô, on vous entend? Vous pouvez parler, on vous entend? Alléluia. Allô. Ok, il n'y a pas janvier. Ah oui, c'est vrai. 2001. Eh bien, elle est sur les portables. Je peux avoir le... Le 4, le 11, normalement, c'est déjà... Le 4, c'est un dimanche. Hein, le 4 janvier, nous sommes à Lyon. Le 11, nous sommes à Nantes. N'est-ce pas? Et le 11, le 17 et le 18 janvier... Samedi 17 et dimanche 18 janvier, nous sommes à Dublin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux jours. Vous avez deux jours. On aura deux jours de programme alors de réveil à Dublin. Alors, commencez déjà à trouver les endroits. Et pour pouvoir... Je crois que ce sera à Dublin parce que là... À Dublin même, hein? Oui, à Dublin, je crois. Parce qu'il y a des gens qui vont venir qui un peu de... Venir, oui. Il y aura certainement des frères et sœurs de l'Angleterre, de l'Écosse aussi. Et voilà, que Dieu soit bien. Donc le 17 et le 18 janvier, nous sommes à Dublin. Hein? Le 14, le 4, nous sommes à Nantes. À Lyon. Le 11, nous sommes à Nantes. Le 17 et le 18, nous sommes à Dublin. Et puis voilà, donc que Dieu soit béni, c'est vraiment encourageant, c'est beau ce que Dieu fait. Et il y a aussi, hier à Bruxelles, il y a une femme, une sœur allemande d'origine, qui est venue me voir, qui a dit, voilà, donc j'ai une grande salle, je crois que c'est sa salle, hein, c'est sa propre salle, et qu'elle loue, je ne sais pas. Et elle a dit, voilà, donc si vous pouvez venir pour un programme de réveil, et... Il se passe des choses. Il y a des mails qu'on a reçus de frères et sœurs du Luxembourg qui disent venez pour le programme de réveil. Et ce dimanche, si tout va bien, nous sommes à Hollande. Hein, ce dimanche, okay. Ça part comme ça dans tout le sens, frères et sœurs. Et à chaque fois, les gens viennent de partout. Il se passe des choses. Et même la nouvelle.
La Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, ils ont réclamé ça. D'ailleurs. Parce que ton épouse est de là-bas. Ma belle famille, elles sont de là-bas. D'ailleurs, eux, ils suivent les programmes. On décale ici le jour. Là-bas, c'est 1h, 2h du matin. Wow. Ils veillent pour ça, pour suivre. Waouh. Donc là, ils sont en train de nous suivre, là. Je sais pas. Alors, je ne les ai pas informés. Je sais pas. Parce que c'est le matin pour eux. D'accord. Alors, ça doit être. 8h du matin, voilà. Wow. 7h50 du matin chez eux. Donc, en fait, je ne sais pas si tu te rappelles de ma belle-sœur qui est venue de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Elle a eu son baptême ici. Amen. Dès qu'elle est rentrée, ses collègues, ils ne la reconnaissent plus. Ils lui disent, mais t'as changé, t'étais embellé. Tu es devenu, c'est comme si une autre personne. Mmh. Après, ils étaient curieux. D'ailleurs, elle a baptisé pas mal, justement, de personnes. Elle a baptisé ses collègues là-bas. En Calédonie. Alléluia. Et surtout ça pour les frères et sœurs qui nous suivent, justement. Son beau-fils, il a été baptisé par elle parce que le début, ils ont dit comment. Bah, j'ai dit, puisqu'il n'y a que elle peut baptiser. À partir de là, l'homme, il va baptiser un homme, okay. Femme, une femme. Donc, Dieu est grand. Ce qui s'était passé, justement, son beau-fils, quand il a été baptisé, ils étaient dans la grâce de Dieu. Il me disait qu'il me guide Dieu. Il me dit, va à gauche, va à droite. Wow. C'est nouveau pour lui. Wow. Il ne comprenait pas. Mais je lui dis, c'est une grâce. Grâce, ça veut dire c'est Dieu avec toi. Il a dit, avant, et il fumait, il buvait de l'alcool. D'un coup, il a tout arrêté. Alléluia. Il ne fume plus. Il ne voit plus. Oh, il Jésus. Parle que de Jésus. Mon Dieu. Collègue, il a 19 ans. Wow. Ses collègues au travail lui disent, mais qu'est-ce que t'as changé, tu n'es plus le même. Il a dit, moi, Jésus. Et il reste que avec la famille. Donc, ce qui s'était passé, en fait, il s'est fait influencer avec deux personnes. Je crois que ce sont des collègues à lui. Soi-disant, ils sont anciens, tout ça. Après, je ne sais pas, lui, s'il avait gardé l'idée qu'il soit baptisé par un homme ou je ne sais pas. Donc, il s'est refait baptiser par ces deux personnes-là. D'accord. Il a dit, je me suis fait baptiser par eux. Il a dit, dès que j'ai fini le baptême, j'ai pris ma voiture, j'ai commencé à démarrer, il y avait quelqu'un qui m'a doublé. Il a dit, je me suis dit, ah, comment ça, il me double? Il a dit, j'ai accéléré, je l'ai doublé, 3e, 4e, 5e. Après, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas normal. Mmh. Il a dit, je suis arrivé au travail, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur une personne. Il a dit, c'est comme si j'ai des colères envers lui. Il a dit, je dis, non, mais c'est pas normal ce qui m'arrive là. Mmh. Après, il a échangé avec ma femme et moi aussi. Du coup, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu, il a jeûné pour ça. Il a refait le baptême, il est redevenu comme avant. Il se fait rebaptiser encore. Rebaptiser par justement sa belle-mère. Par ta, ok. Ouais, par ma belle-sœur. Donc il s'est fait rebaptiser par elle, il a demandé pardon. En fait, ça c'est un message que Dieu nous donne. Qu'en quoi la personne par qui on se fait baptiser, on n'est pas là pour la sous-estimer ou qui. L'essentiel, c'est comment on vit notre relation avec le Seigneur. Amen. C'est ça Amen. Le plus important. Mm-hmm. Parce que lui, il s'est fait influencer, c'est 10 ans, ils ont 10 ans. Avec Christ, eux ils sont nouveaux, tout ça, mais avec Dieu, on n'est pas nouveau, c'est lui qui nous enseigne. On est tout nouveau. Moi j'étais musulman. Au premier jour où j'étais baptisé, j'ai senti la paix que j'ai jamais trouvée avant. Donc, je sais pas ce que vous pouvez me raconter, mais c'est l'essentiel, c'est ce que je vis à l'intérieur. Mmh. C'est comme l'aveugle à qui Dieu l'a rendu la vue. Ils lui disent, mais attends, il est pécheur, il dit, moi je sais rien. J'étais aveugle, il m'a rendu la vie. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est comme ça qu'il faut vivre Christ. L'essentiel, c'est comment tu le vis à l'intérieur de toi. C'est ça le plus important. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent les autres. Parce qu'on ne peut pas être au goût de tout le monde à la fois. Mmh. Ce n'est pas possible. Mmh. Et bien, c'est rebaptisé. Et depuis, il a dit, j'ai retrouvé la paix, la joie. Il a dit, c'est bon, je ne recommencerai plus. Il a demandé pardon au Seigneur. D'ailleurs, il a même jeûné, je crois, 2 jours avant qu'il se refasse baptiser pour demander pardon au Seigneur, tout ça. Amen. Mais franchement, c'est important. Et ça commence à se propager, ça commence à prendre de l'ampleur là-bas. Ouais. Franchement, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Tu ne veux pas faire un tour avec ta femme là-bas? Oui, on y pense d'y aller, c'est normal. Déjà, c'est ma belle famille, j'aimerais bien voir la famille, les beaux-parents, tout ça. Mm-hmm. Mais on laisse Dieu nous guider. D'accord. D'ailleurs, même
pour mon voyage en Algérie, c'est Dieu qui nous a guidés, c'est Dieu qui m'a demandé à rentrer pour l'Algérie, pour pardonner, car j'avais une haine dans mon cœur que je n'ai pas pu pardonner quand j'étais musulman. J'ai coupé court avec la famille, j'étais parti de la maison pendant 7 ans, donc j'ai coupé court. Mais grâce à Jésus-Christ, et je le remercie, je le bénis, wow. il a mis la paix dans mon cœur. J'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait mal et je suis rentré, j'ai demandé pardon à tous ceux que j'ai fait mal aussi, j'ai fait souffrir à ma façon. Donc Dieu c'est un Dieu d'amour, il met la paix, il met la grâce dans mon cœur, c'est ça la différence. La différence que je n'avais pas trouvée avant, c'est que c'est moi qui m'a forcé à faire les choses. Mmh. Mais en Christ, c'est lui qui fait pour moi, Amen. C'est lui qui travaille pour moi, moi je suis juste à obéir. Je ne sais pas, c'est lui qui prend. Moi, je prends 1 kilo, lui, il prend 100 kilos. Donc, ça va. Je ne vais pas me plaindre. Non, mais c'est glorieux. Wow. Et je le conseille à tout le monde. Et je prie que Dieu touche tout le monde, surtout les musulmans. Ils sont sincères dans leur voix, dans leur croyance. Mais malheureusement, c'est pas le véritable Dieu. Que Dieu vous touche, que Dieu vous bénisse et vous ramène à sa lumière. Amen. Amen. Waouh, quelle parole. Hein, ouais. Ça nous secoue, là, ça nous bouleverse, ça nous encourage. Ouais. Hein. Ouais. Donc vraiment, jeudi soir, 20h30. Et, d'accord. Donc tu vas pouvoir avoir toute la latitude, tout le temps que dont tu as besoin pour donner tout ce que Dieu te donne à donner, tout ce que tu vis avec le Seigneur. Amen. Et je crois que ça va beaucoup nous encourager, frères et sœurs. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Donc je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Donc ce soir, c'était juste des témoignages pour donner gloire à Yeshua par rapport à tout ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas pour nous. Dieu fait son œuvre. Nous avons compris, mes amis, que nous n'avons pas à faire marche arrière depuis des années. Nous avons compris qu'il faut aller jusqu'au bout. Et croyez-moi, la parole qui est annoncée, l'évangile qui est annoncé, frère, c'est l'épée. Et l'épée amène la division entre la division de la lumière avec les ténèbres. N'est-ce pas? Donc, il y a le camp de l'ennemi, il y a le camp du Seigneur. Donc, c'est ça la parole. Et chaque enfant de Dieu, vous qui aimez la vérité, vous qui cherchez la vérité, vous qui voulez vivre le retour à la parole, sachez que vous aurez de plus en plus des combats, des ennemis, des accusations, tout ça. Tenez bon, ne baissez pas les bras, avancez. Ne soyez pas perturbés par les combats. C'est biblique que l'on soit insulté, que l'on soit traité de tout le nom. C'est normal que vous soyez traité de tout le nom à cause de votre position. Qu'on vous traite de tout le nom, traître, rebelle, menteur, tout ça, là, les gens vous demanderont de ne plus enseigner, de vous asseoir. N'écoutez pas, avancez, faites l'œuvre du Seigneur. Et entre les vrais enfants de Dieu, il n'y a pas de division. Parce que le corps de Christ est uni. Mais avec les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux chrétiens, bien sûr, il y a la séparation, bien sûr, il y a la division. Parce que le Seigneur il dit, je suis venu pour diviser 5 dans une maison, 2 seront contre 3, 3 contre 2. Donc l'épée, c'est la parole qui vient séparer. Donc ne soyez pas, mes amis, religieux. Ne cherchez pas à vivre la parole de manière sentimentale pour recoller les morceaux là où il ne faut pas recoller. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Il faut séparer le vin nouveau des vieilles outres. On ne peut pas mettre un vieux tissu sur de l'ancien, hein, sur du vieux. Ça va se déchirer. Il faut comprendre que c'est biblique, c'est normal qu'il y ait la séparation, qu'il y ait comme Lot avec Abraham, comme beaucoup d'autres dans la Bible, comme Paul avec Barnabas. Il faut comprendre cela parce que nous voulons avancer avec ceux et celles qui aiment la vérité, qui veulent aller au ciel, qui veulent, mes amis, aller vers le Père. Que Dieu vous bénisse. Merci encore et à demain 20h30 heure de Paris pour votre émission La Dernière Trompette. Merci à l'équipe technique. À tantôt, comme disent les Belges. Au revoir.